Bonjour tout le monde, moi vraiment content de retrouver nous aujourd'hui sur la plateforme JCOM là encore pour nous capables de porter pour une nouvelle vidéo sur ce qui concerne le département Grenansan, précisément la ville de Jérémy. Aujourd'hui, nous venons parler de un sujet qui concerne la ville de Jérémy, mais ça qui a avec un projet de développement durable. Mais juste avant que nous commencions avec le dossier, ce sujet que nous venons parler là, qui t'aime dire que ou même qui sur YouTube là qui a pas suivi nous qui abonne ensemble avec nous pas oublier partager contenu ça yo. Deuxièmement ou même qui fait cap garder vidéo ça pas oublier abonner avec channel là presser petite cloche de notification pour capable rester toujours connecté pour pas rater aucun contenu JCOM. Si vous sur Facebook là et partager là abonner ensemble avec nous like page nous ou capable suivre nous tout sur Instagram sur Twitter et puis visiter site internet nous hein, et bien le tout ça pour capable rester connecté dans un seul clic ensemble avec nous c'est télécharger application JCOM là ou même qui gont téléphone Android là mon en attendant parce que nous pas sur iOS là pour capable monde qui gagne iPhone iPad tout ça yo mais monde qui gagne Android yo capable déjà connecté avec JCOM avec application JCOM là et puis tout ça nous sommes dit là que c'est package YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, site internet là, il y a joint tout sous application JCOM là. Non pas moi c'est Ralph Simon, Jacques que nous connaissons et nous venons porter ti information ça pour nous. On va aller très rapide. Ce qui ça nous venons parler aujourd'hui là. Nous venons parler de en question de 20 millions d'euros qui a réalisé des projets durables dans quatre institutions dans ville Jérémy tout de suite après ouragan Matthew. Nous allons venir pour nous dire pour qui ça 20 millions d'euros. Mais quittez-nous faire un petit bac en arrière pour nous expliquer pour qui ça, il y a 20 millions d'euros que yo bail et moun qui bail c'est l'Union européenne pour capable faire des développements durables au niveau ville là. Et bien nous tous connaissons déjà en 2016 spécialement dans la nuit 3 pour arriver 4 octobre et bien t'ai un gros cyclone ou bien un gros ouragan j'en nous ka dit là qui était ravagé département Grenansan et nous t'étendel pour monde qui connecté sur internet pour monde que zami famille t'a relé qui t'ai même dit yo pas Grenansan à l'époque et bien qui t'ai permettre que département Grenansan avec bloc sud là t'ai frappé très très fort mais Grenansan s'est frappé plus fort et après 4 octobre 2016 en pile monde pas trop pas qui moyen département Grenansan nous va lever. Bon, nous connaissons tout détail déjà. Ensuite, nous faisons plus de 45 jours avec la pluie qui permet que la couverture visuelle la retourne. Eh bien, après ouragan Matthew lui-même, il fait une dévastation dans la Grenansan. Eh bien, il y a l'Union européenne qui chita même qui crée un projet pour l'État. Projet ça, c'est un projet l'État Mdouli qui crée ensemble avec l'Union européenne. Ce projet qui est Ubaïti. N'importe lancement officiel projet ça c'est premier ministre Jean-Henri Seyan qui t'a fait dans la coupe Port-au-Prince ensemble avec moun l'Union européenne spécialement ambassadeur français ya, et qui était là ensemble avec lui. Et bien, c'est un projet qui était basé sous pays ya. Mais yo mettait accent avec projet ça plus sous département Grenansan avec département sud qui était très frappé ou bien très touché avec ouragan Matthew. Par exemple, si nous allons à Port-au-Prince, nous avons gagné Ubaïti. Dans le cadre de projet ça, l'Union européenne mettait 52,5 millions d'euros à terre pour gagner investissement pour des bagages capables de dire qu'il a pour longtemps pour payer. Ça nous le projet durable. Eh bien, dans 52,5 millions ça, eh bien, il y a 20 millions pour la commune de Jérémy, il y a 20 millions pour le sud, les Cayes. Eh bien, comment 20 millions pour la commune de Jérémy, lui-même, il répartit. Ça nous a fait, nous a dit que il y a 20 millions dans 4 institutions. Eh bien, l'Union européenne, il passe par 2 organisations internationales, qui sont ONG. Eh bien, qui y a une CARE Haïti, qui a 4 millions d'euros, qui pour faire des projets. Talen va vous expliquer qui ça, ONG, ça a été pour faire. Il passe par GOL, qui a eu GOL tout 4 millions d'euros, ça fait nous 8 millions d'euros. Yo bay travaux publics 6 millions d'euros au niveau central pour le département Grenansan 6 millions et puis yo bay mairie de Jérémy 6 millions d'euros.
6 millions de travaux publics, 6 millions de mairie de Jérémy fait 12 millions, 4 millions de Gaulle fait 16 millions, 4 millions de Kerr fait 20 millions. Et mais qui sa institution sa yon même yon te gen pour yon fait dans le département Grand-Est? Mais avant m'expliquer qui sa pour yon te fait, Mabdou 20 millions sa c'est pour yon projet pendant 4 l'année. Projet sa yon commencé en mai 2018 et yon doit fini en mai 2022. Mais dernière information que nous gen, qui dit comme spécialement moi-même, m'a dit que gen yon extension ba projet. Par exemple, projet Kerla yon balon extension là jusqu'à mois d'août. Goal yon balon extension tout parce que gen paquet de bon travail, li poko fin réaliser li. Mais son projet 4 ans ou 20 millions. Qui sa institution sa yon te gen pour yon faire? Gen travaux publics li même qui gen pour faire travail de drainage avec aménagement routier. C'est-à-dire aménager routio et puis faire ça ou les canalisations de drainage pour de l'eau bien circuler. Gen la mairie li même de Jérémy qui te gen pour occuper de espace public yo et puis avec question d'autres de équipement. C'est ça la mairie gen pour le faire. Et puis gen care avec Gaul li même qui a pas accompagné communauté hein dans ensemble de petits projets li gen pour le faire la communauté yo. Par exemple, faire couloir, restauration, type place publique, ou bien faire type place publique, qu'est-ce que là? Et mettre lampadaire, tout ça, yo, c'est yo même yo gen pour yo faire dans la communauté. L'idée projet ça, qui c'est Ubaïti, qui baille 20 millions au niveau, commune de Jérémy, hein, et bien c'est permettre que communauté jérémienne, vienne plus résilient. Résilient, vle dit, vienne gen capacité à prendre catastrophe pour mieux camper, plus rapide, pour vienne la résister à une catastrophe. C'est-à-dire chaque fois que gon événement comme ça qui vient sous communauté là ou bien qui passe sous communauté là, et bien si avant ou bien après match nous te prend 2-3 ans pour nous essayer camper, et bien qu'on y a nous va prendre peut-être 6 mois ou bien 1 an pour nous camper plus rapide. C'est ça qui permet que vous venez résilient. Ça c'est ensemble de détails dans projet ça. Mais qu'on y a en nous garder 4 ans après 2018 mai 2018 mais nous l'en fait avril 2022, ça fait 4 ans. Qui sa projet sa réalisé? Comment nous est ville là après Machu, 6 ans après Machu et 4 ans après projet sa yo et 4 institutions sa gen la main yo qui c'est mairie de Jérémy 6 millions, qui c'est travaux publics 6 millions, qui c'est Gaul 4 millions, qui c'est Kerr 4 millions. Qui sa nous wè comme changement dans communauté? C'est vrai, gen des actions qui fait dans quelques communautés mais qui impact pour une ville qui pas aussi grande que qui a 20 millions pour faire projet là-dedans mais ou pas senti qu'il y a aucun changement qui fait là-dedans. Nous devons parler aujourd'hui à la de 20 millions ça que 4 institutions ont gagné. Mais nous gain pour nous parler dans l'autre prochaine vidéo qui va venir, on sait de projets qui étaient pour fait dans 20 millions ça côté que travaux publics te gain partition parle, la mairie te gain partition parle. Kerr ou bien Gaul te gen partition pa et jusqu'à présent projet sa yo yo pa réalisé. Dans quatre projet sa yo ke n'a parlé 20 millions sous 4 ans et nous pas vraiment grand changement. Dans ville là en termes de restauration, en termes d'infrastructure qui aménagé, route yo toujours été même genre et yo tellement laid et puis yo sale tous ces derniers temps. Mais j'en que nous te dit, je dis à nous venir parler, venir expliquer de 20 millions ça comment il te dispatching la quatre institutions, Kerr 4 millions, Gaul 4 millions, mairie de Jérémy 6 millions et puis travaux publics 6 millions. Mais la prochaine vidéo que n'a venir faire, n'a venir présenter des projets qui te gain pour réaliser avec ensemble d'institutions ça yo soit de concert ou bien de manière unitaire qui pas réalisé jusqu'à présent. Parce que c'était deux pour nous et n'a pas tant ouais comment émission va le fait. Fort la pointe là et puis littoral en bas la ville. Je nous sommes là, nous voit comment fort la pointe là. Nous voit comment littoral là. M'a venir expliquer nous en détail à cette équipe dit comme là. Qui est-ce qui te gain pour faire littoral là et chaque qui institution qui te gain pour faire telle partie ou bien telle partie jusqu'à ce qu'elle finisse. Qui est-ce qui te gagne pour faire fort la pointe là
Et pour qui ça, deux projets sont pas faits sans que m'ba parler de l'autre projet encore, n'a vienne parler dans la prochaine émission. Merci en pile à vous-même qui t'a regardé nous. Merci en pile à vous-même qui toujours regardé nous. Merci à vous-même qui toujours partagé, qui toujours like vidéo nous, soit sur YouTube là ou bien sur Facebook là. Merci à vous-même qui toujours m'a des amis ou famille abonné ensemble avec nous. Ça fait nous plaisir. Merci à vous-même qui déjà téléchargé application Jicom sur Android. Restez connecté avec channel Jicom là. Restez connecté avec nous sous application hein, pour pas rater aucun travail Jicom. Merci tout le monde. Nous sommes Ralph Simon et m'a salué Pierre François lundi qui était derrière caméra et qui t'a fait montage pour nous. À la prochaine.